Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une séance de pilates avec notre manche à balai, notre bâton. On va démarrer la séance par quelques mobilités articulaires et on enchaînera sur un temps debout assez long par rapport à l'habitude, puis on ira au sol ensuite. On va prendre son bâton, pouce vers l'intérieur, prise large, et faire des enroulés d'épaule. Donc on vient enrouler dans un sens, puis dans l'autre sens. Comme à chaque fois, si vous avez besoin d'un temps de mobilisation et d'échauffement plus long, n'hésitez pas à faire l'échauffement un petit peu plus long. Ensuite, on vient venir monter le bâton et redescendre. Monter et redescendre. Pour ceux qui auraient regardé la vidéo sur la mobilisation des épaules, on va faire un petit peu le même principe qu'on a fait sur cette vidéo. Donc au fur et à mesure, vous essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus loin dans votre mobilité articulaire d'épaule. Donc vous arrêtez quand vous sentez que ça bloque, elle n'est pas forcée, on est sur un échauffement. Donc si vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez un peu plus loin au fur et à mesure, sans que ça bloque. D'accord ? Dès que ça bloque, vous stoppez. Donc vous faites plusieurs répétitions à chaque fois de votre mobilité complète, quand vous êtes arrivé à la mobilité complète, donc on y va vraiment de manière progressive. Ensuite, quand on arrive au maximum, on va basculer à droite et à gauche. Pareil, en tirant plus ou moins progressivement au niveau des épaules. Le centre du corps, bien sûr, est déjà fixé au niveau périnée, abdos et neutre du bassin. On met le bâton devant, toujours dans cette mobilité des épaules. Et quelques mouvements circulaires. Plus ou moins grand au niveau des amplitudes du cercle. Ça dépendra de chacun. On change de sens au niveau du cercle. Vous en faites 4-5 dans un sens dans l'autre. Après, vous pouvez augmenter l'amplitude et changer à nouveau le sens de cercle avec une amplitude un peu plus importante. Donc, ça dépendra de la taille de votre bâton aussi et de l'envergure de vos bras. On met le bâton au niveau des épaules, on va tourner à droite et à gauche, le centre du corps est déjà bien fixé au niveau abdominal. Le dos est grandi, mes épaules sont basses et fixées. Mon bassin est fixe, ma tête est neutre. Inclinaison à droite et à gauche. On place le bâton devant soi pour l'équilibre et on vient tourner. Au niveau des hanches, mobilité de hanches dans un sens et dans l'autre. On bascule la jambe devant derrière en ayant fixé les abdos. Et on est dans le contrôle de cette bascule. On bascule la jambe devant côté sans tomber. Je vais y arriver. C'est bon. On change de jambe, mobilité de hanche, quelques cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre sens. Bascule de la jambe, devant derrière, en fixant les abdos. En derrière, ça ne va pas creuser les lombaires. Hein. On ne vient pas entrer verser le bassin. Et à droite et à gauche. On peut faire cette petite mobilité de cheville en venant tourner ses orteils, son pied, pardon, dans un sens et dans l'autre. L'autre pied. Et les orteils, donc, pour finir, en torsion et en flexion. L'extension et en flexion. Voilà. On viendra placer le bâton devant soi, à la largeur de ses épaules, pousse vers l'intérieur. On rétroverse le bassin, on place le bâton au niveau des cuisses, on fixe les épaules en arrière et basse, on grandit son dos, on aspire le nombril avec la connexion du transverse, tout le ventre vient vers l'intérieur, et on fixe le plancher pelvien. On connecte le tout et on appuie dans le bâton en restant fixé et en sentant l'engagement fort dans le dos, dans l'avancée du bassin
et dans la connexion interne plancher pelvien et transverse abdominale. On fixe la posture et on respire thoracique en ouvrant la cage thoracique. Inspire par le nez, expire par la gorge comme on sait faire. Ensuite, on garde la posture et reste 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend son bâton, on fixe ses épaules. On va venir inspirer pour amener le bâton au-dessus en gardant les épaules fixées. Et expirer pour ramener le bâton et le genou en même temps. Inspire, talon. Expire, je reviens. Inspire. Expire, je serre. D'accord ? Même chose de l'autre côté. On se fixe. On inspire, on expire. Inspire, expire. On relâche doucement ici, en secouant un peu ses épaules et on va reprendre. Cette fois-ci, on va démarrer par une inspire. J'expire. Expire. Inspire. Et là, expire en torsion. Inspire, je reviens. Le bâton est bien en face. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Forcez l'engagement dans les abdos, forcez l'engagement dans le bassin. Dernière fois, inspire, expire, expire, pardon, inspire, expire. On revient, change de côté, on se stabilise, on fixe les épaules, rétro, abdos, périnée. Donc expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, encore deux, inspire, dernier, inspire. On revient ici, on secoue ses épaules, on se replace, on se place sur une jambe, on bascule, on tend la jambe de sol, on essaie de s'aligner, on fixe ses épaules au long plat, rétro de bassin, abdos serrés. Expire, monte, inspire, descend. Expire, inspire. Expire, inspire. Fixe bien le bassin. Expire, inspire. On s'aligne au maximum. Expire, on se grandit. Inspire, encore. Expire, inspire. On revient, on change de côté. On se place, fixe épaule, omoplate. Le grandit, on y va. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore deux. Expire, inspire. Expire, inspire. Si c'est facile, vous pouvez en rajouter bien évidemment. On va mettre le bâton au niveau des épaules. Les coudes vers le bas, le dos grandit. On va pousser en gardant bien le centre du corps fixé, on pousse les hanches en arrière et on descend le dos plat. Comme ça. Et on remonte, on pousse dans ses fessiers. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on enchaîne comme ça. Inspire. Le dos le plus plat possible, expire. Si vous avez du mal, déverrouillez vos genoux et faites-le jambes fléchies. D'accord ? Mais on pousse bien les hanches vers l'arrière en ayant pris soin de serrer au niveau du centre du corps et de garder le dos le plus fixe possible. On vient ici, on vient placer son bâton devant soi au sol. On va faire la même position qu'on vient de faire ici. Je grandis, fessier serré. Je me place, je me grandis, j'aligne mon dos au maximum. Je me mets sur une jambe, l'autre jambe est tendue. Une fois que je suis placé, j'expire pour monter, j'inspire pour descendre, j'expire pour monter. Ah, donc pour parler c'est difficile, donc j'expire pour monter, j'inspire pour descendre. Expire, inspire, expire, expire, une dernière.
mois, mais on se redresse, on refixe le centre du corps, on replace le corps, on se fixe, on se stabilise bien. Le bâton nous aide à nous stabiliser. Inspire, 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 inspire encore deux. Inspire, 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 inspire. On vient ici, on se replace. On prend le bâton, on se fixe ici, on va faire un exercice qui est assez difficile. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On vient s'aligner le plus possible avec le bâton, se grandir, essayer de descendre le plus droit possible, selon ses possibilités. Et de revenir et d'échanger à chaque fois. Je fixe mes épaules, mes omoplates, je me stabilise, je serre, je m'allonge. Expire. Et on échange à chaque fois. On positionne, on stabilise, on serre. Expire. Et inspire. Si c'est faisable, vous le refaites encore une fois de chaque côté. Stabilise bien au niveau du centre du corps. Si c'est pas faisable, vous restez avec le bâton devant vous pour vous aider. Allez, dernière fois. Stabilisez-vous bien, normalement au fur et à mesure, on arrive à mieux comprendre le placement. On relâche tranquille. Okay. On va enchaîner au sol. Donc on va faire un petit handstand avec le bâton. Donc on vient s'allonger, fixer son bâton derrière les fesses. Grandir son dos, fixer le centre du corps, rétro bassin, ventre, périnée. Je mets ma chaise renversée en place. Je prends mon bâton avec les pouces vers l'extérieur. On vient tendre ou pas les jambes, ça dépendra de chacun. On fait l'enroulé thoracique. Hein. On se place, on serre et c'est parti. Là-haut, les jambes vers le ciel. 1, 2, 3, 5, 6. 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 50, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 70, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 80, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 100. On repasse le bâton de l'autre côté. On essaye, si c'est faisable, si vous avez de la mobilité d'épaule, de garder les pouces vers l'extérieur. Et on va enchaîner avec un double leg stretch. Donc on repart en chaise renversée ici. Le bâton est au niveau des tibias. Expire, allonge. Inspire, ramène. Périnée, abdos contractés. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous en faites le nombre que vous arrivez à faire. Vous reprenez. Expire. On va poser le bâton sur le côté. Hop. Et ensuite, on va faire quelques ponts sur les épaules. D'accord. Donc là, on n'a pas besoin du bâton. On va le mettre sur le côté. Je me fixe. Rétro, le bassin, périnée. J'enroule. Je monte. Je me fixe. J'inspire. J'expire pour redescendre. Soit vous restez sur l'option classique comme on vient de faire. Sinon, vous pouvez vous amuser à fixer et à venir prendre la jambe, monter au plafond et allonger. Inspire, expire, inspire, expire. Avant de changer de côté, vous redescendez pour vous replacer, vous enroulez, vous fixez, vous allongez la jambe et on recommence. Expire.
Inspire. Inspire. Et en fait, le nombre que vous arrivez à faire, à fixer, pour descendre. Ensuite, on reprend le bâton. On passe sur le côté pour se redresser. Ou alors vous démarrez directement du sol, ça c'est vendre un peu. On garde le bâton devant toi. Si vous pouvez vous regarder les pouces vers l'extérieur, je préfère que vous gardiez les pouces vers l'extérieur. Ça va vous obliger un petit peu à rester en rotation externe des épaules. Et on va faire quelques rolls. Donc on démarre dos grandi. Inspire et expire. Déroule. Ensuite on replace. Inspire. Si vous arrivez à ne pas bouger le dos quand vous mettez les bras en action, vous le faites. Expire, je remonte, je me replace. Inspire, expire, inspire, expire, etc. Bien sûr, s'il y a besoin de mettre la hauteur sous les lombaires, vous mettez la hauteur sous les lombaires. Quand vous avez fait un certain nombre, je vous fais faire le petit jeu. Je viens essayer de mettre mes tibias parallèles au sol pour pouvoir poser mon bâton dessus, essayer de tenir la posture et voir si je peux descendre dans le contrôle et remonter sans faire tomber mon bâton. Expire. Inspire et expire. Etc. D'accord ? Vous en faites le nombre que vous avez envie de faire. Si c'est pas possible de bouger avec le bâton sur les tibias, vous faites juste le temps statique. Et si l'un et l'autre n'est pas possible, vous faites votre roll-up comme vous savez faire avec la serviette sous les lombaires si vous avez besoin. Ensuite, hop, on va rester assis. On va venir se grandir, se mettre sur la pointe des fesses, des ischions. Mettre le bâton derrière soi dans le creux des coudes, pousser le bâton pour nous obliger à fixer la colonne grandie, donc au niveau lombaire, et si c'est faisable, venir passer les bras en ouverture des poings. Si on peut tendre les jambes avec tout ça, on tend les jambes. Vous avez besoin d'une hauteur pour vous asseoir dessus, une hauteur en plus. Ça c'est assez intense pour garder le dos grandi. Ensuite de cette posture là, on vient faire son twist. Donc expire. Inspire, expire, inspire. Bien inné, abdos, tout est serré, tout est fixé. Expire, inspire, expire, inspire. Encore, expire, inspire, expire, inspire. Puis vous continuez encore si vous sentez que vous pouvez le faire, que vous en avez besoin. Ensuite, après le twist, on ira s'allonger de face. Donc de face, on rétroverse bien le bassin, on fixe bien le centre du corps, les abdos vers l'intérieur, périné contracté. Je viens me placer ici. Et là, on va faire plusieurs exercices avec le bâton pour travailler un petit peu la mobilité articulaire des épaules. Sur une base de swimming. Donc, j'ai mes jambes serrées à fond, mes fessiers serrés à fond. Si c'est faisable, on va garder les pouces vers l'extérieur et on va essayer de bouger ses épaules avec les pouces vers l'extérieur et les épaules engagées au niveau des omoplates. Donc j'engage mes épaules, je garde mon dos neutre, mon bassin neutre. Et j'engage quelques mouvements de mobilité. Si c'est pas plus faisable du tout les pouces vers l'extérieur, vous gardez les pouces à l'intérieur, vous engagez vos omoplates, vous laissez vous défendre. Ensuite, on va faire la même chose, que ce soit pouce à l'intérieur ou pouce à l'extérieur, en ouverture large. Expire, monte, inspire, descend. Alors, pouce vers l'extérieur en ouverture large, ça fait très peu d'amplitude. Ensuite, on fait la même chose avec les mains serrées. Pousse à l'intérieur, pousse à l'extérieur.
Ensuite, on va garder les pouces à l'extérieur ou les pouces à l'intérieur, comme vous voulez. Vous engagez la mobilité d'épaule statique et ensuite, on fait une mobilité du buste. Je passe, je monte et je descends. Donc, c'est la cage thoracique qui pousse dans le sol, pas le ventre. Je reste en rétro de bassin, en dos grandi et fixé. Là, vous allez sentir votre dos qui va s'engager lorsque vous allez vous élever. Expirez à l'élévation, inspirez la descente. Pousse vers l'extérieur, les trois, on pousse à l'intérieur, les trois amplitudes de mouvement, donc largeur d'épaule, puis large sur le bâton. Puis serré sur le bâton. Quand on affine tout ça, vous prenez une prise classique de largeur d'épaule, pouce à l'intérieur ou à l'extérieur comme vous voulez, et on va faire des battements de jambes en plus du maintien statique du buste et des bras. Donc sur une base de swimming. Donc j'allonge mes jambes, je serre les fessiers, je place les épaules omoplates, je place les bras, le buste, et c'est parti. Vous continuez de battre des jambes et vous faites une ouverture large. Continuez de battre des jambes, vous faites une ouverture serrée. Vous allez engager vos omoplates. Et on redescend doucement. Vous faites ça le temps que vous arrivez à le faire. On a presque fini la séance. On va enchaîner avec le swan dive avec le bâton devant soi. Donc, il faut que le bâton puisse rouler. On va voir si moi ça roule bien sur mon sol pas très droit. Donc, j'ai les bras tendus devant moi, l'épaule engagée, bassin fixé, les jambes ouvertes, rotation externe de mes épaules. Je pousse la symphyse pubienne dans le sol, je grandis mon dos. J'ai mon bâton au niveau des poignets et je viens appuyer dans mon bâton pour me lever et arriver sur les mains. Je fais rouler le bâton. Donc j'appuie, je lève, je redescends, on fixe dans ses épaules. Appuie et on revient. Appuie. Donc, on pense bien à décoller les crêtes iliaques pour ne pas avoir un dos qui creuse. Ensuite, on peut essayer de faire le mouvement un peu plus dynamique si on y arrive. Donc, on fixe. On expire. Allez, vous fixez bien chaque fois. On replace. Inspire. Expire. Avec le bâton qui roule plus ou moins. Faites ça plusieurs fois, vous allez sentir votre chaîne postérieure qui va commencer à bien congestionner au bout d'un moment. Quand on a terminé, on se met sur les genoux, les fesses sur les talons et on vient étirer son dos, pouce vers l'extérieur, bâton planté dans le sol, on se redresse. Il y a plein d'exercices après pour les psoas, hein, si vous voulez faire les psoas ici. En tirant bien, en poussant, en serrant les fessiers, en grandissant. Et vous faites haute sauté, etc. D'accord, vous les connaissez un petit peu les passages d'étirement. Ensuite, mon passage préféré accroupi, du caca dans les bois. Pour se redresser. Et vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Prenez toujours soin de vous. Merci à vous. À bientôt.